T'as pris la route? T'as pas le temps? Moi je l'ai fait. Elle est belle, celle-là. Et ça m'a tendu. Et à chaque fois, avec des gens qui ont 150 cm, je remplis, je remplis. Et après, tu tapes bien dessus. Tu fais bien les cuirs. Ouais, mais moi, avec j'avais des envois plats. Je vois que quand même. Donc là, il y a plus. C'est bon ça. Elle a même. Aligne toi bien au cordeau là, t'es en train de. En fait, tu peux reprendre la moitié sur le là où t'étais avant. C'est ça, c'est moins bien. Et alors, la retour et la tour se refait. Il faut combien de temps? Il y avait pas. La brière était à sec. Ouais. Moi, j'en avais que j'en ai traversé. Je vais à pied. Et donc, comment se fait-il que l'eau maintenant? C'est les retenues, c'est ça? Bah oui, les retenues. En faisant des trous, il fallait des trous. Juste un petit trou comme ça, ça va passer. Oui, parce que oui. C'est pas voilà. Des emplacements, si vous voulez, mais c'est progressif des eaux. Ouais. Je sais qu'il y a la marée, c'est l'air dessus. Ouais, en plus, sont les premiers à voir. L'histoire du Rhône de Marais. C'est une histoire en plus. C'est pour ça qu'il y a une. Je copie un coup. Tu ressors, voilà. Tu ressors. Je mets toi là et puis après, je prends la suivante. Allez, toi, tu veux avancer encore la bécane. Non, je vais décaper. Je vais décaisser les bécanières, on va voir. Qu'est-ce que ça veut. Ah ouais? Ça, en fait, partout, c'est des cas. En profondeur, des siècles et des siècles. Voilà, et les gens avec ça dans leur cheminée ou des petites poêles, ils se chauffaient. Oui, il en sort deux d'un coup. Hein. On arrive à. Ouais. Oh Pierre, il en porte deux d'un coup. Voilà. Une fois qu'on est bien en profondeur, là on voit qu'on est de la tourbe, elles sont tout de suite belles, les briques elles restent. Par des courants, tout ça. Des piliers, ils sont bien restés. Hein. Oui, mais quand on prend pas. On l'a séché pendant un an ici en extérieur. En fait, il y a des poches, tu sais, le truc que tu as eu, toi. Non, mais là, c'est la fontaine. C'est le même problème que tout à l'heure. On l'enfonce vraiment. Hein. Et après, on a la houlette. Pour soulever. Qui va être, c'est ce qu'il utilise en fait, qui est une sorte de bêche, pareil, bien affûtée. Et on vient prendre vraiment, on vient soulever. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire, la houlette. Pas encore. Presque à la fin de la houlette. On va repartir, on a les plantes invasives. Il peut m'en foutre par terre. Non, malheureusement, on n'a pas d'onguille. Alors, c'est pareil, les onguilles commencent à faire. Thank you.
pas de bois pour faire aussi de, les toits. Les gens utiliser les produits locaux. Alors, si on pourrait pouvoir vivre. Voilà. Vous avez... Regarde.